S'il était un pays, ce serait celui du soleil levant. S'il était une musique, elle serait africaine et bouillonnante du sang de la terre. S'il était un animal, il serait familier et insoumis à la fois. C'est un homme, près de nous, qui puise sa lumière de l'ombre et nous éclabousse d'étoiles. Un artiste secret et bavard à la fois, loin du babil inutile des salons chics. Souriant à la vie, un petit garçon heureux qui poursuit son chemin. Un réconciliateur dont l'œuvre apaise et allume en nous l'espoir d'une fraternité. Meudon l'a découvert très vite l'an dernier lors de la Fête des Arts et lui consacre aujourd'hui une exposition intimiste au Centre d'Art et de Culture du 17 octobre au 6 décembre. De quoi plonger corps et âme dans l'univers de ce marchand de rêves épris d'humanité qui ne cherche qu'à témoigner de la joie et avoue simplement vouloir rester dans la vie, pas dans l'absolu. Il dit bénéficier par chance d'une force intuitive. Et le fait est, sa seule présence réveille notre propre intuition. Il dit joliment vouloir faire des trucs comme si on les avait sortis de terre, de la pure invention, des supports pour rêver dessus. Et la magie opère dès que l'on pénètre son atelier de Clamart. Sa sculpture et ses toiles sont noires, bleues ou rouges, des formes simples et géométriques, aucun ou peu de mélange de couleurs, juste des passages de l'une à l'autre. Au premier abord, on s'étonne de l'émotion ressentie, celle d'une lumière profonde qui réchauffe sans éblouir. Puis, on cherche inutilement pourquoi ces anneaux de sable bleu, ces ailes toutes noires, ces silhouettes opaques à peine ébauchées, ou ces carrés à l'infini déclinés par couleurs fondamentales. Lui sait, mais ça n'a pas d'importance. Il appelle cela le portefeuille de signes de chaque artiste et s'en amuse. L'essentiel est dans l'émotion qu'il nous donne en ne faisant que suggérer la trace des hommes, leur tout premier désir d'expression, le rond, la croix, le trait. Fred Schneider n'est pas un homme de contraste, bien que son histoire semble écrire le contraire. Sa Suisse natale est dans son cœur, mais c'est au Japon qu'il s'est rencontré lui-même. Un clivage de taille qui a néanmoins réhabilité toutes les valeurs enfouies au plus profond de son moi, la réconciliation de l'Occident et de l'Orient, qui lui fait dire comme un adolescent « J'ai découvert tout ce que je n'avais jamais osé dire, jamais osé faire. » Et d'apprendre que ce qui compte, ce n'est pas l'opposition du yin et du yang, mais l'énergie qui passe entre le positif et le négatif. Pour lui, le bouddhisme et le zen nous font une vraie place. Le Japon, ce fut comme une bombe dans sa vie, une sorte d'épuration, un bain de jouvence. Rien d'étonnant alors de traverser en plein Clamart le jardin aux notes zen de son atelier tamisé comme un recueillement. Bonjour. Bonjour. Entrez. Bienvenue dans mon atelier. Alors c'est ici l'antre de l'artiste. Oui. C'est ici que vous travaillez. Exactement. Toute la semaine. Oui, oui, oui. Et vous exposez tout dans cette pièce-là ou... Non, disons que j'ai la chance de disposer d'un grand espace. C'est ici, c'est mon lieu de travail. Donc tout ce qui est sur une hauteur de table se passe sur cette paillasse-là qui est... qui date de l'ancienne occupation, parce que c'était un atelier de recherche de couleurs. Alors. Voilà, puis la peinture et tout ça ici. Et après, je peux les extraire de son lieu de travail. J'ai une pièce à côté et j'ai une pièce au-dessus pour exposer. Parce que j'aime bien que les œuvres sortent de leur lieu de naissance quoi, pour prendre du recul. Pour leur donner un peu d'espace. Oui, voir comment ils vivent, quoi. Voilà, on peut passer dans la pièce à côté. Voilà, par exemple.
Donc dans cette pièce-là, on a en gros le travail des deux dernières années, aussi bien en sculpture qu'en peinture. Certaines choses ont été exposées l'année dernière et d'autres choses, les gens vont découvrir à la prochaine exposition. Alors cette année, ce que les Meudonnais vont bientôt découvrir, c'est l'artiste. Il y a une exposition qui vous est consacrée à partir du 17 octobre. Mais vous avez consacré une longue partie de votre existence plutôt au graphisme pour les entreprises. Comment ça s'est passé et pourquoi ce passage à la vie d'artiste ? Mais on peut dire que j'ai découvert le monde de l'art à l'adolescence ou même un peu à la préadolescence, vers les 12 ans, et j'étais attiré vers ce monde-là. Et disons, dans mon pays d'origine qui est la Suisse, les choses sont organisées de telle manière à ce qu'on puisse apprendre facilement un métier dans le domaine de l'art, disons de l'art appliqué, c'est ce que j'ai fait. Au départ, j'avais envie d'être architecte, puis un peu plus tard, c'est plus vers la matière et la couleur que ça a tourné. Vous vous inscriviez pas dans les grands courants de pensée artistiques ou... Non, j'ai jamais fait partie d'aucune école préétablie. Dès le départ, j'avais envie de me réaliser moi-même et de me faire. Alors comment ça naît l'inspiration ? Parce que là, on voit des anneaux, des envols, des silhouettes. Oui. C'est ce que vous avez toujours fait ? Par quoi vous avez commencé quand vous êtes par lancé? La peinture. Par la peinture, donc plat, mural. Mais très vite, j'avais envie qu'elle prenne du. Elle devienne un objet déjà. Alors, on voit que j'ai rapidement peint les tranches, les tableaux. Ils ne sont jamais cadrés, mais le tableau continue sur le bord. C'est déjà un objet. Parce que dans mon esprit, la peinture, elle n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle aussi, elle est dans le domaine du touchable, ou enfin, ce qui peut donner envie de toucher. Et donc, j'avais envie qu'elle aille dans l'espace. Parce que pour moi, la vie, elle se passe dans l'espace. Ce ne sont pas des images dans l'absolu, pour moi. Tout est matière, en fait. Mais je ne me suis pas senti une âme de sculpteur. Je reste peintre. Comment vous vient l'inspiration de ce type de forme ? Vous vous nourrissez de quoi pour arriver à créer ce genre d'objet ? Bon, c'est un petit peu la question pour tout jeune artiste. Et il a envie de s'exprimer, mais il ne sait pas trop quoi. c'est à travers des découvertes comme l'île-dieu, la nature... Et la trace de l'être humain dans la nature qui m'a toujours fasciné, c'est-à-dire la nature, moi je l'adore, elle m'inspire, mais il y a l'être humain qui est quand même pour moi au centre de tout ça. Donc les formes géométriques, les ronds, les carrés, les triangles, les croix, ce sont pour moi des traces de l'être humain. C'est une volonté exprimée d'un être humain de faire une croix. On dit bien, quelqu'un qui ne sait pas signer, qui ne sait pas écrire, on dit vous n'avez qu'à faire une croix. C'est une des premières expressions du soi, hein, du soi. Est-ce qu'on peut voir dans vos origines géographiques, si je puis dire ? Parce que ce qui est étonnant quand on rentre dans l'atelier, c'est que ça fait immédiatement rêver à un ailleurs. Et pourtant, les formes sont
extrêmement géométrique, où la case, c'est quelque chose de très rangé. Mmh. Et il y a même une impression de rationalité et d'anti-désordre qui est frappante. Oui, peut-être l'origine germanique y a contribué à aimer un certain ordre, mais pas trop. C'est bien pour ça que je ne suis pas resté dans mon lieu d'origine, je suis parti parce que l'ordre pour l'ordre, ça n'a pas un grand intérêt, mais j'aime bien l'ordre, les choses ordonnées, et j'aime bien ordonner. Ça facilite la création ? Ça fait partie. Défaire, faire, défaire, c'est même la définition, je crois, de l'action d'un créateur. Et alors d'où vient cette espèce d'ambiance japonisante qu'on en a du mal même à exprimer parce qu'elle n'est pas complètement visuelle et c'est un clivage assez important avec la Suisse Bon, d'abord la Suisse, bon, je l'ai connue puisque j'y suis né. La France est venue après et puis j'ai découvert effectivement bien après, dans les années 80-85, le Japon. Et il s'est passé quand même quelque chose d'extrêmement fort et important pour moi. C'est j'ai littéralement plongé en moi-même. Et le Japon a révélé par des choses existantes, aussi bien au niveau des temples, des œuvres d'art, ou de l'écrit, ou de leur philosophie, qui a résonné en moi. Et donc je me dis, ça me plaît. C'était une découverte autant esthétique que spirituelle ? Oui, oui, on peut dire. Oui, on peut dire. Et elle vous influence beaucoup dans votre... Oui, elle m'a confirmé dans ce que je ressentais confusément. Il y a des valeurs qui sont très importantes dans ces cultures lointaines, qui chez nous sont... pas nobles, sont pas des valeurs. Par exemple, s'attacher aux détails, ça fait pas. En France, on aime bien les grands esprits, hein, c'est les grandes idées. Après, le faire est moins important, on le fait un petit peu n'importe comment souvent, mais c'est l'idée qui compte. Or, que je pense que c'est un lien entre la Suisse et le Japon. Dans les deux endroits, on aime bien faire. Il y a une phrase amusante que j'ai entendue un jour, c'est qui dit « Les Suisses non plus savent pas où on va, mais ils savent comment. » Ça résume assez cette question-là, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas trop de questions, mais ce qu'on fait, on essaye de le bien faire. Oui, on peut dire ça, avec tous les malheurs que ça comporte, mais quand je me suis mis à peindre vraiment plus que les week-ends il y a quelques années, je m'étais quand même posé la question, est-ce qu'on peut être un bon peintre si on est heureux ? Parce qu'on nous a tellement raconté que c'est le malheur qui faisait surpasser l'homme, c'est dans la misère que l'artiste crée. Moi je pense, malheureusement c'est souvent vrai, mais ce n'est pas une condition de départ. Moi je ramène ça aux enfants. La vérité, il n'y a qu'à observer les enfants quand ils jouent à la plage, dans le bac à sable, c'est pas par désarroi qu'ils jouent, c'est le plaisir. C'est un bonheur, ouais. C'est un bonheur d'exercer ce métier ou ce travail, d'autant plus que ce que j'y vois comme avantage, c'est que je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. C'est de moi que je m'occupe, mais ce n'est pas de l'égoïsme, ça ne tourne pas en rond, hein. C'est quand ça sort, il y a quelque chose qui est rassemblé, une force, il y a des ondes, il y a de l'énergie qui est aussi bien dans les tableaux que dans les sculptures,
qui jaillissent sur les gens qui les regardent et qui le reçoivent avec bonheur, ceux qui aiment. Donc, c'est une forme de communication. C'est toujours pareil, à la fois, c'est un travail seul pour moi, et en même temps, je fais partie des autres. Ça existe parce que les autres existent. Je pense que si j'étais sur une île déserte, tout seul, où il n'y a personne, je ne sais pas si je peindrais. Ou je vais faire des sculptures. Peut-être que je m'amuserais, si c'est une île, il y a forcément un peu de sable, de jouer avec. Mais ce sera l'acte créatif... gratuit, c'est simplement pour le plaisir, c'est le plaisir qui me nourrit. Qu'est-ce que c'est un artiste pour vous? Quelqu'un qui se lance justement, qui arrête une vie professionnelle et qui se lance dans une création de toute pièce? Non, au contraire, pour moi c'est une continuité. Ce qui est un peu étonnant, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une âme d'artiste avant 12 ans, par là. Avant, j'étais un garçon comme les autres, rien de particulier. C'est peu à peu, ça s'est développé. Mais après, c'est une continuité, il n'y a pas, de rupture. Moi, je suis allé vers les métiers de la création. Parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait, c'est ça qui me procurait du plaisir. Et par la suite, je me suis aperçu que j'avais du talent là-dedans. Enfin, c'est les autres qui me l'ont dit. C'est ça, le retour. Le regard de l'autre est capital. Oui, le talent, ça ne se déclare pas. C'est les autres qui finissent par vous dire « c'est bien, c'est fort, ou c'est... » C'est les autres qui vous donnent du talent. Alors c'est important pour un peintre, un sculpteur, un photographe, c'est important de faire une exposition? Ah oui, bien sûr. Sinon, moi je ne vois pas pourquoi je créerais des œuvres si ce n'est pas pour les montrer aux autres, les livrer au regard des autres. Pour moi c'est fondamental.